Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as la forme. Ce que l'on va faire aujourd'hui, mon ami, on va invoquer sur Dragon Ball Legend, tu l'auras vu dans le titre. Et donc voilà, c'est le nouvel anniversaire, ce sont les 4 ans de Dragon Ball Legend. Donc ça veut dire quoi? Nouveau portail, nouveau personnage, nouvel événement. Et ce que l'on va faire, on va invoquer tous les deux pour essayer d'obtenir le nouveau personnage. D'accord mon pote? Alors, tu le vois un petit peu sur mon écran qui est de là-bas, d'accord mon ami? Et donc on est sur ce nouveau portail qui s'appelle l'Ultime Combat. Franchement, on va dire que le portail pète la classe et on a bien entendu, on l'attendait tous, on pensait qu'il allait arriver lors du précédent anniversaire, c'est Sangoku Ultra Instinct maîtrisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu sur ce portail les exclusivités, ce qu'on va pouvoir débloquer dans les invocations, d'accord? Alors, on a le Goku Ultra Instinct qui est assez classe, on va pas se mentir, et l'artwork qui est vraiment magnifique. Donc, voilà le personnage que j'aimerais avoir, bien sûr, c'est un Legend Limited LL, donc on va essayer de choper ça. Alors, on a du Vegeta LL, je ne sais pas si je l'ai ce personnage, je me souviens plus, donc j'aurais tendance à te dire que je l'ai peut-être, donc pas forcément intéressant de l'avoir. Le Zamasu fusionné corrompu là. Celui-là, je l'ai, j'en suis sûr et certain. Le Goku Black, je l'ai aussi, d'accord, mon pote. Le Goku Ultra Instinct, je crois, du précédent anniversaire, je l'ai aussi. Le Super Vegeto, je l'ai en Legend Limited. Le Vegeta aussi. Alors, ça, c'est une nouvelle carte, c'est une nouvelle Sparking de Vegeta qui va se transformer en Vegeta Blue et qui, vraiment, l'artwork qui est vraiment magnifique. Je trouve qu'il est super classe. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, bien sûr, ça fait partie des cartes qu'il faut que je débloque. On a ça, Yurin. Alors, je t'avoue que je ne sais pas ce qu'est ce personnage. On dirait Chichi en termes de visage, mais je connais pas ce personnage. Je suis désolé, je ne sais pas d'où il sort. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Kale, bon, bah là, je la connais, c'est la Saiyan. Hein. La Saiyan qui se transforme, c'est la Brolette, on va dire. Et voilà au niveau des nouvelles cartes. Donc, il n'y a pas beaucoup de nouveaux personnages quand même. Donc, ça va être chaud de débloquer les deux cartes plus importantes. C'est celle qu'on voit sur le portail, c'est le Goku et le Vegeta qui se transforment. Donc, on va aller viser ça au niveau des invocations. J'ai vite fait, je regarde. Ça, on va pas le faire ensemble en vidéo parce que je pense qu'on va choper que de la merde comme d'habitude. Donc, ça pue un peu du cul. Par contre, on va faire ceci. C'est un portail où tu mets 1000 cristaux et t'as un Legend Limited. Alors, ce qu'on va faire, je vais cliquer tout simplement et c'est parti. Donc, ça fait 1000 cristaux en moins, bien entendu. Mais j'espère que je vais débloquer une carte qui va m'intéresser. Allez, c'est parti. On va laisser comment s'appelle l'animation d'invocation. Le jeu charge. Oh là là! Super Saiyan Blue. Donc, deux Sparking dans cette série d'invocations. Je pense que ce sera une série de 10 avec un Legend Limited au bout. Garanti. Allez, c'est parti. Le glisser est rouge. On va voir Broly qui va débarquer. J'augmente un petit peu le son du jeu. Et Broly n'est pas là, mais tu sais qu'il y a Legend Limited quand même. Allez, c'est parti, mon pote. Allez, on a du Guldo extrême, commandogineux. Le petit Hito. Ah oui, c'est extrême. Le petit Chaos. Pour l'instant, c'est que des extrêmes. Buta, à mon avis, c'est full extrême. Oh, le magnifique Sangoku. Attention à la Sparking. Oh, c'est Super Saiyan Broly. Que j'ai déjà bien sûr. Un appât extrême, Zenkai. Le Bardock, et attention, une nouvelle Sparking. C'est la Legend Limited. Oh, c'est Sangohan, enfant! Dans le film de Bojack, qui se transforme, celle-là, elle est vraiment stylée de ouf. Il n'y a rien à dire. C'est une plutôt belle invocation. Plutôt belle invocation. Après, j'aurais souhaité avoir une nouvelle carte, tu sais, mais bon, voilà. Donc, franchement, magnifique. Ça fait très longtemps que j'ai pas été voir ce Guan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le voir ensemble quand même vite fait. Parce que la carte, elle est vraiment belle, regarde. T'as un Guan Super Saiyan 1, tu vois, avec la tenue de son père, la tenue de Goku. Franchement, il est classe. On va le faire se transformer. Hop là! Non, franchement, ça c'est magnifique. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir des trucs comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime Dragon Ball Legend aussi, tu vois ce que je veux dire. Allez, c'est parti, ce que l'on va faire. Trêve de grivoiserie, on va invoquer tout de suite avec le premier palier. Donc c'est toujours des paliers un peu claqués là. C'est 300 cristaux, 3 invocations, 505, 707. Donc en fait tu ne gagnes à aucun moment, tu gagnes quelque chose. Donc je déteste ces paliers, je les trouve vraiment nuls. Mais voilà, c'est ce qu'ils ont choisi pour pas t'arnaquer, mais pour essayer de te faire acheter le maximum. D'accord mon pote? T'as compris le principe? Allez, c'est parti, 3 invocations, 5 astuces, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je sais pas si on va avoir quelque chose, mais pourquoi pas.
On a Goku qui prend le dessus sur Frieza. Oh, le glissé, ça veut dire Sparky, mon ami, le glissé en or. Toi-même, tu sais, ce serait magnifique si on avait direct une belle carte. Allez, c'est pas mal. Super C17 extrême, la Sparking elle est là. Oh, Sangohan petit. Donc celle-là, je l'avais déjà, vraisemblablement. Je m'en souvenais plus l'avoir eu cette carte. Allez, c'est pas mal. Ah oui, on chope beaucoup de pouvoir Z, donc ça te permet de monter beaucoup tes personnages si tu débloques donc bah, les cartes que tu as envie. Allez, mon pote. Donc là, c'est le palier numéro 2. Il va y avoir 5 tirages. C'est parti, 500 cristaux. Alors, j'ai pas énormément de cristaux. T'as vu, j'avais 16 000. Alors que ça fait un moment que je joue tous les jours, etc. Ça me fait un petit peu chier d'ailleurs. Mais j'avais pas beaucoup de cristaux, donc bah tant pis, on va les dépenser quand même. C'est pas tous les jours qu'on a des Goku Ultra Instinct maîtrisés. D'accord, mon pote? Allez, c'est parti. Donc, ouais, 15 000 ou 16 000, c'est pas mal, mais je suis free to play, bien sûr, je ne paye pas. Mais c'est pas non plus, c'est pas 50 000 cristaux, quoi, tu vois. Allez, c'est parti. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose dans cette série d'invocations. C'est dommage qu'il ne nous fasse pas un ou deux nouveaux héros, histoire de choper voilà, des héros, t'es content, entre guillemets, de les avoir régulièrement, parce que là, finalement, on les a tous au bout d'un moment. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ils en feront certainement d'autres, avec des personnages peut-être moins intéressants. Allez, j'arrête de parler. 700 cristaux, c'est reparti, on lance à tire-larigot. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu as eu en personnage éventuellement, si tu joues encore au jeu, je sais pas. Attention, c'est Sparking, ça, t'as au paille-paille. Plus, on a notre ami Vegeta qui arrive et qui va déglinguer Freezer. Ça fait plaisir, ça veut dire Sparking minimum, au moins une Sparking dans la multi. Attention, mon pote. Oh là là, ça a pété. Oh, Lavender, donc ça, c'est personnage un peu claqué au sol, frère. Personne n'a envie de jouer avec ça. Attention, une autre Sparking. Oh là là, c'est le Vegeta Super Saiyan Divin, bien entendu, Blue plutôt. Tout ce que je veux dire. Donc, ouais, Lavender, mon pote, ça te ferait pas rêver, ça. Je sais pas. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui apprécient jouer avec ce personnage. N'hésitez pas à le dire. On a Satan qui est arrivé. Tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, hey, je l'avais même pas full étoile rouge, Satan. Ça fait plaisir de l'avoir deux fois. Ah, c'est bientôt fini pour Satan. Allez, on va lancer le palier numéro 4. Donc, ouais, je vois qu'au niveau du 5, c'est 1000 cristaux et le 6e est gratuit quand même. Tu gagnes un petit peu, mais bon, c'est pas. Hein, et le jeu, il donne le minimum, hein, tu vois ce que je veux dire? Il est toujours dans la. Attention. Ah, Sparking encore avec Tao Pai Pai. Et encore Vegeta, la même. C'est la même qui arrive. Ouais, je te disais, le jeu, te donne le minimum. Histoire de te récompenser un petit peu, mais de te frustrer pour que tu puisses acheter aussi. Tu vois ce que je veux dire? T'as toujours ce calcul-là qui est fait. Ouais, il est beau ce Black Goku. Bon, je l'avais déjà, mais. Le Rikoum, attention, la Sparking, elle est là. Ouh, encore du Goku Black, un Sparking magnifique. Attention, une autre Sparking. Oh là là, c'est Great Saiyan Man 2. Attention, une troisième. Incroyable. C'est Goku Kamehameha. Donc, trois Sparking. Oh, attention, quatrième. C'est une grosse multi. Ouh là là, c'est Freezer. Donc, franchement, vraiment pas mal. Attention, une cinquième. C'est un truc de ouf. Oh là là, c'est notre ami Sangoku. Qui est assez classe. Alors, j'aime pas les Zenkai, putain, je trouve. Tu sais, les Zenkai, ça te permet de débloquer la puissance de ton personnage. Il peut aller plus loin que ce qu'il avait au départ. Donc, ça, eux, ça leur permet de te prendre des cristaux si tu invoques là-dessus. Moi, ça m'intéresse pas. Et tu as un personnage avec un nouvel artwork un peu derrière, un nouveau fond. Et ça permet les anciens personnages de les remettre au devant de la scène, si tu veux. D'accord? Les Zenkai. Et par contre, au niveau des artworks, ils sont dégueulasses. C'est un truc coloré horrible. Ce qui fait très japonais, je trouve. Et tu vois, typiquement, lui, je préfère vraiment son artwork initial. Donc j'aime pas du tout les Zenkai. Puis en plus, ça sert à rien, à part si tu fais du PVP, bien sûr. Mais voilà, t'as compris, quoi. Allez, c'est parti, j'arrête de blablater pour raconter de la merde. D'accord, mon pote? Ce que l'on va faire. Oui, je m'en fous du Zenkai. On va bah voilà mettre 1000 cristaux, ça va partir très très vite. Hein. Pour le. Bah là, ça va être 10 invocations pour le palier 5. Et après, je vais refaire un cycle certainement. Mais on n'est pas loin déjà d'avoir fait pas mal de choses. Attention, 3 capsules, c'est pas terrible. C'est pas terrible, à mon avis, elles sont pas très très bonnes celles-là.
Alors je ne sais pas combien est le taux du Goku Ultra Instinct. J'imagine que je crois qu'il doit être doublé, peut-être. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute, ce sera la découverte. Si on le chope, bah tant mieux. De toute façon, il y a très peu de chance, hein, avec le nombre de cristaux que j'ai. Attention, à mon avis, il n'y aura rien du tout dans cette multi-là. La maille extrême. Les C20 héros. Oh là, encore les C20. Ouais. Donc la 1000 cristaux pour avoir ça, c'est. Ça fait vraiment mal au cul quand tu vois combien de temps il faut pour avoir 1000 cristaux dans le jeu. C'est des jours et des jours de connexion, etc. Allez, c'est parti, c'est le palier gratuit celui-là. C'est juste pour le kiff. Et on espère qu'on va choper quelque chose d'intéressant. Il faudrait qu'il sorte direct là, le Goku. Attention. Cinq capsules. Oh là là. Cinq capsules Super Saiyan. C'est pas trop mal. Ouais. Bon, alors au moins une Sparking, mais il n'y a rien de. Il n'y a rien d'extraordinairement garanti non plus. On va voir. Allez, c'est parti. Là, tu vois le Raditz là, c'est un Zenkai aussi et son fond était rouge. Rouge dégueulasse. Attention. Ah là, qu'elle est extrême. Donc une nouvelle carte quand même, ça fait plaisir. Attention, Sapté. Oh, encore le Goku Black qui ressort. Enfin, je sais pas si je l'avais eu celui-là, mais on a eu pas mal de Goku Black. Attention, une autre Sparking. Ouais, c'est le Ito. Donc, vieille carte quand même, il me semble celle-là. Je pense que ça doit être la toute première du personnage. En plus, il fait pas rêver, moi personnellement. Allez, on n'a pas eu grand-chose de ouf dans ce premier cycle d'invocation. On a eu une nouvelle carte, c'est la Calais. Mais pour le reste, c'est vraiment pas extraordinaire. Hein. C'est très très décevant même. On n'a rien eu, on n'a pas de légende limitée, vraiment rien. Allez, on va continuer les invocations. Je sais pas jusqu'où je vais m'arrêter, on va voir. Si j'ai la capacité de faire 3 cycles, je les ferai au niveau des cristaux. Mais on va voir. D'accord mon pote? Voilà. Attention, on a 1500 cristaux, il y a une seule capsule. Allez, on va la passer celle-là. À mon avis, il n'y aura pas grand-chose. Ouais. Attention, c'est le Frieza troisième forme, donc pas extraordinaire. Hein. Pas extraordinaire, mon ami. Donc, 500 cristaux un peu jetés à la rue, mais bon, c'est pas grave. Ce que l'on va faire, bah, nous, on va continuer à acheter des cristaux à la rue avec 700 cristaux qui vont partir pour le palier 3. Allez, là, il faudrait que ça se débloque un petit peu. Une petite carte un peu sympathique. Soit le nouveau Vegeta, soit le Goku. Oh, attention, 5 capsules. Super Saiyan encore. Globalement, il n'y a pas des animations de ouf. Hein. On reste sur Namek. C'est pas dingo. Le glisser rouge. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, égalité, c'est pas très bon signe, ça, mon ami. C'est même ce qu'il y a de pire en général. À mon avis, il n'y aura pas grand-chose. Attention, Sparking quand même. Encore toi, mais non! Putain, espèce de babouin, retourne chez toi là. Le loup là. Putain. Le personnage le plus claqué du jeu. Oh, on a chopé le loup, putain, c'est un négoné. Ouais, va négoné. Tu peux pas mettre un autre personnage là? Fuck! Fuck that bitch. Allez, ce que l'on va faire, on est au palier 4. Donc là, c'est encore 1000 cristaux qui vont partir. Ça va faire mal, mais bon. Il n'y a pas le choix, mon ami. Ah oui, attends, 4, c'est 1000. Et après, il y a le palier 5, c'est encore 1000. Waouh, ça fait mal au cul. Eh, c'est pas grave, mon pote. Donc là, c'est extrême garantie sur toutes les invocations. Il va y en avoir 10. On va voir ce qu'on va choper. J'espère que ça va valoir le coup quand même. Parce que là, c'est pas extraordinaire du tout. On a que la Venda qui sort tout le temps, là. Attention, 3 capsules. Oh là 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 là, c'est nul, c'est nul. C'est pathétique. Toujours sur Namek, 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 Namek. Jamais autre chose, un autre décor. Glisser bleu, c'est nul. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, Goku va perdre. Peut-être Vegeta qui va venir? Non. Oh là 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 là, c'est pathétique. À mon avis, il n'y aura pas de Sparking. On a Toma qui est là et c'est full extrême en plus. Mais il va rien avoir. Hein.
Bah, rien à voir, ce que je vais même la passer, mon ami. Excuse-moi, je passe. Comme ça te permet de pas avoir une vidéo trop longue. Ah, on a eu une Sparking. Une Sparking qui a déboulé quand même. C'est la Trunks Dôme de Chaleur, là, je sais pas quoi. Qui est plutôt une carte sympa, mais c'est pas non plus des invocations extraordinaires. On va pas se mentir. Donc, on va continuer à remettre 1000, mais là, il faudrait que ça se réveille vraiment parce que c'est. Les cristaux partent à tir larigot et il n'y a vraiment rien à l'horizon d'intéressant, ni en Sparking, ni en nouvelle carte. C'est vraiment. C'est pathétique de chez pathétique, quoi. Attention, 5 capsules, on est encore sur Namek, ouais. Comme d'habitude. Ça annonce pas grand-chose encore d'intéressant. Hein. Glissé rouge, pas de Super Saiyan. Oh là là, mais c'est pathétique. C'est pathétique, ah, il va gagner quand même Sangoku. Donc ça va faire au moins une Sparking, mais pour l'instant, dis-moi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu trouves que les invocations sont claquées ou si c'est correct. Attention Sparking. Oh, le C13, il est tellement balèze dans l'écran que il m'a surpris. Attention, deuxième Sparking. Oh, mais je savais même pas que ça existait ça. Sparking de Satan? Putain, je m'en souvenais même plus. Apparemment, je l'avais déjà. Elle est plutôt rare, mine de rien, celle-là, je crois, parce que. Attention, encore une Sparking! Ah non, ça, c'est claqué, je déteste ce Trunks. Pour moi, c'est le pire, un des pires personnages du jeu. En termes de design, je te parle. Je déteste ce Trunks, ce bleu avec ses cheveux bleus. Attention, Dispo. Ouais, Dispo, c'est pas terrible non plus. C'est du DBS. Bon, j'ai eu quand même 1, 2, 3, 4 Sparking finalement. Donc, le taux est pas si mal. Alors après au niveau des personnages c'est pas. Après c'est le portail qui est comme ça hein, mais c'est pas extraordinaire. Bon, attention. Ouais, donc là ils dépassent tous leurs limites parce que tu sais que tu chopes plus de pouvoir Z. Allez lui il est passé fou d'étoiles rouges. Oh putain, c'est relou, casse-toi. Allez. Oh là là, ouais, c'est bon, c'est fini. Donc là il reste le dernier palier, le sixième palier du deuxième cycle. Bah écoute, on va se lancer aussi. Tirage gratuit. C'est parti, mon kiki. Là, c'est une des dernières chances hein, pour choper les nouvelles cartes. Parce que pour l'instant, c'est pas terrible. En termes de taux, on est pas mal. Mais c'est quand même. Voilà, trois capsules. Encore Namek, putain! Mais y a rien d'autre! Babouin! Ah, beaucoup va gagner quand même. Putain, mais c'est un truc de ouf! Lycée bleu, vas-y, mais autre chose! Bon, il y a Freezer qui perd, je vais encore avoir la Sparking claquée, ça c'est évident. Je vais avoir Lavenda qui va revenir, Dispo, et des personnages claqués au sol. On va voir Baby Vegeta Extreme, c'est pas mal. Aïe aïe aïe, ce jeu il donne pas grand chose souvent, il est très radin. Pourtant tu joues, que tu te connectes tous les jours. Putain, Champa, c'est claqué, ces personnages, putain. C'est de la daube. Qui a envie de jouer avec ça, putain? Personne. Oh là là. Bon, bah écoute, ce qu'on va faire, on va faire un dernier cycle. Et puis on arrêtera là, ça fera 1000, 2000. Ça fera encore un petit peu de cristaux qui seront partis, mais vas-y. C'est reparti pour le troisième cycle. Sur ce step-up pour l'instant qui est pas terrible du tout. Ce qui est dommage c'est le format des portails qui est vraiment un peu claqué et ils ont pas mis des bons personnages honnêtement bah pas les légendes limited mais pour en choper une faut avoir la chance de sa vie j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour l'instant c'est un peu claqué hein, ce qu'on a. On n'a aucune nouvelle carte. Vados. La petite Conifla. Encore une Sparking. Ah, c'est Super Végéto, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, ce n'est pas la légende limited. C'est la Sparking qui est sortie seule. Allez. Comme je dis au niveau du taux, allez, on n'est pas trop mal. Hein, on n'est pas trop mal. Après, je crois que le taux était doublé de Sparking. Donc finalement, on doit avoir un taux normal ou peut-être légèrement en dessous. Alors, on repart sur le palier numéro 3, 700 cristaux qui vont repartir. Toujours pas une invocation ailleurs que sur Namek. Toujours un peu du caca. Et encore Namek. Et il n'y a rien. Pas de capsule. Ah, je passe. Je passe l'anime.
Il se passe rien, rien du tout, gros. Le jeu est bloqué. T'as pas une seule animation sympa. T'as pas une carte qui se débloque. Pas une légende limited. Rien du tout. J'ai des jours et des jours. Ça fait au moins des mois que je me connecte tous les jours au jeu. J'ai l'impression que je fais mes devoirs, gros. Je te jure, j'ai l'impression de faire mes devoirs. J'ai l'impression de travailler quand je joue à ce jeu. Je prends pas beaucoup de plaisir. Je prends des plaisirs que quand j'invoque et quand je regarde les cartes. Je prends pas beaucoup de plaisir à jouer au jeu. Et quand t'as des invocations comme ça fait un peu mal au cul, je vais pas te mentir. C'est complètement claqué, quoi. J'ai eu une nouvelle carte, c'est une nouvelle extrême. Ah, allez, c'est pas mal. Il y a peut-être la chance d'avoir quelque chose. On a Goku Blue, donc deux Sparking, d'accord. Et on est sur le glacier. C'est toujours assez intéressant le glacier. Enfin, en général. Ah, le glissé en or, c'est pas mal aussi. Peut-être un Broly, non? On va voir, non, c'est Goku qui va gagner, dommage. Donc on va voir ce qui va se passer, mais ça va peut-être changer un peu la donne, je sais pas. Donc ce que je te disais, excuse-moi, ça m'a coupé le jeu. Mais attention, Sparking. Oh, c'est une légende limited! Oui! Je l'ai débloqué. Putain, j'étais en bad là, j'étais en train de te dire, ah vas-y, le jeu, il donne jamais rien, tu joues des jours et des jours pour rien avoir. Mais il est quand même sorti ce Legend Limited de Sangoku. Putain, ça. Encore une deuxième. Oh, l'invocation de ouf juste derrière. Incroyable. Regardez. Ah putain, je me suis plaint et le jeu il m'a calmé là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ben, ça fait plaisir. Encore une Sparking. Ah, c'est Sangoten qui est arrivé. Et ben voilà. C'est ça qu'on voulait voir. Donc, excuse-moi, je reprends ma discussion. Je te disais le jeu, voilà. Moi personnellement, je trouve sympa ce jeu, c'est un jeu fan service. Tu vois des belles attaques, etc. Mais je m'ennuie quand je joue à ce jeu. Je me fais chier. Et donc je joue juste pour avoir des cristaux et faire des invocations. Donc effectivement, quand t'as pas grand-chose, bah, ça fout les boules. Tu comprends? Et là, bon, on va dire que j'ai été chanceux. On va pas se mentir, j'ai eu de la chatte. J'ai eu une chatte comme ça, mon ami. Vraiment bien ouverte. Je vais pas te mentir. Excuse-moi si je suis un peu vulgaire. Mais bon, j'ai eu de la chance, il faut le reconnaître. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir tout de suite le Goku pour voir son artwork. Ouais, franchement, il est pas mal, hein. C'est joli. C'est joli. Je sais pas s'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose en plus. Excuse-moi, je vais prendre ma tablette. Ah, il s'est passé quelque chose. Oh, on a l'espèce de dessin qui est pas non plus terrible, hein. Franchement, un peu déçu. Ben voilà, ça fait une carte sympa. Donc voilà, j'ai débloqué la carte maîtresse. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, mon pote. On va aller voir la Vegeta vite fait. Parce que tu vas me dire pourquoi on s'arrête. Oh, pas mal. Ah ouais, là franchement pas mal ce qu'ils ont fait. Il est très charismatique vu un peu d'en bas et un peu très costaud. Non, franchement cette carte est jolie. Vraiment bravo. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je pense qu'on va s'arrêter là tout simplement parce que ben voilà, on a débloqué les cartes. Faut pas insister. Tu vois ce que je veux dire? Je vais aller voir dans le marché par rapport aux petits pions là, les petites pièces qui te donnent combien j'en ai pour pouvoir peut-être avoir un ticket d'invocation. On va aller voir ça et puis après on va s'arrêter, d'accord mon pote? Voilà. Alors ce marché, est-ce qu'il va arriver? Alors l'ultime combat, il est là. Qu'est-ce qu'on a comme on en a 12. Ah, pas mal. Donc là je vais en prendre deux. Hop là, ça me permet d'avoir deux tickets. On va les faire tout de suite, puis on va terminer comme ça, d'accord? Alors je pense que ça doit être des tickets, peut-être Sparking Garantie, je ne sais pas. On va aller dans les tickets tout de suite. On va aller, voilà, ici il y a deux tickets Sparking Garantie, donc franchement plutôt cool. On va avoir deux petits Sparking en espérant que ça soit de la qualité, d'accord mon pote? Puis après on se laissera, d'accord mon ami? N'hésite pas à me dire ce comme je te disais. Une capsule, comme je te disais, ce que tu as chopé éventuellement en termes d'invocation, si tu joues encore au jeu, si ça t'amuse de regarder des tirages comme ça, etc., n'hésite pas à t'exprimer, ça me ferait vraiment plaisir de savoir un petit peu la communauté de gens qui regardent, bah, ce que vous faites, et pourquoi vous regardez, etc., d'accord? Voilà mon pote. Allez, c'est parti pour la Sparking. Oh, c'est l'ancien Broly. Elle est assez vieille, mais bon, toujours aussi efficace. Allez mon pote. Donc il est 4 étoiles rouges, allez on lance la petite deuxième. C'est parti mon kiki, ça serait bien une légende limitée en plus. Et puis ça serait vraiment propre. On aura fini sur quelque chose de sympa. Attention, 3 capsules, Namek toujours. Et t'as vu, je te disais, le fait de changer
de Namek à au glacier, bah souvent ça, tu as une belle carte derrière, tu as quelque chose qui change. T'as vu mon ami, ça l'a fait direct là. Attention! Elle arrive, la petite Sparking. Attention! Oh, c'est Bulma Bunny! Elle est trop chou, je la kiffe de ouf. Trop mignonne la Bulma Bunny, je l'ai en figurine. Et voilà mon pote. Voilà. Eh ben écoute, je vais pas te mentir, on a eu les deux personnages en. J'avais combien? J'avais 16 000 cristaux en 10 000 cristaux. Donc c'est pas mal, je pense que c'est plutôt un beau ratio. On a un petit peu braqué le jeu, j'ai envie de dire, en exagérant. Mais c'était plutôt des bonnes invocations. Sur la fin, ça s'est débloqué. Voilà mon pote. Allez, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se laisser là. Je te remercie d'avoir regardé. N'hésite pas à mettre un j'aime si, bah, si t'as bien aimé, si t'aimes bien quand je fais ça, etc. N'hésite pas à t'exprimer pour savoir bah, qui tu es et pourquoi tu regardes, etc. Ça me ferait très plaisir. D'accord mon pote? Allez, je te laisse là, je te dis bye bye et à plus. Ciao mon ami!